cette grotte. Ça a l'air étroit, mais je peux passer. C'est sûrement un vestige de l'âge de métal, l'une des zones interdites. Rost dit toujours de ne pas aller dans ce genre d'endroit. Mais il faut que je trouve une sortie. Je vois quelque chose là-bas. C'est quoi? Un cadavre! Il y a quelque chose qui brille. Des lumières partout. Un appareil aussi petit. Une porte de métal. Elle est fermée. Peut-être que je peux trouver une sortie avec ça. Encore des lumières. Changer de couleur. Thank you.
t'as changé de couleur. Ça a marché. Madame la directrice, message prioritaire du CCR, cryptage quartz noir. Vous pouvez visionner le message sur votre hologramme. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est ce que je voulais? Tu peux pas faire mieux que ça. Il est derrière toi. Coucou! Joyeux anniversaire, Isaac! Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Encore voir. Fais mieux que ça, il est derrière toi. Coucou. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Écoute, papa ne peut pas être avec vous aujourd'hui, mais ça va pas nous empêcher de faire la fête, hein? Bien sûr que non. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. Bon, bah, bonne année, mon cher journal. Si je te dis qu'on a fêté ça hier soir, tu me crois? Eh si, plus ou moins. La directrice a demandé à tout le monde de la rejoindre dans la salle commune. Je sais pas où elle a trouvé les petits chapeaux, c'est assez flippant. On était là à regarder l'horloge approcher de minuit, et je me disais, est-ce que je suis le seul à saisir le côté symbolique de tout ça? Ça aurait pu être sympa si Skylar s'était encore saoulé. Ils étaient alignés dans la salle commune. Comme du bétail dans un abattoir, mais ils se souriaient tous. Shanna distribuait des médicaments, comme si vivre était une souffrance à apaiser. Mais pas pour moi. Je refuse de me taire. Je ne veux pas m'évaporer. Je veux un point final au terme de ma vie, pas des points de suspension. Non, un point d'exclamation même. Alors si ça dérange celui qui trouvera ceci, tant pis. Je dois plus rien à personne. Depuis longtemps. Et priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre tort. Pardon, mort. Pardon. Ça fait un bail. Et puis faut... Non, mais franchement, enregistrez vos pensées pour la postérité. Excellente idée, Madame la Directrice. Comme si j'en avais pas déjà assez fait pour la postérité. Et le Machu Picchu, j'ai toujours voulu le voir. Je l'ai jamais fait. J'aurais dû accompagner Owen quand il me la propose. Ouais.
pas besoin d'autre chose, en fait. Arrête de parler avec ce machin-là. On descend dans la vallée maintenant. Allez, viens. Les terres sauvages sont dangereuses, Aloy. Je veux que tu restes près de moi et que tu suives mes consignes. Je sais. Bon. Comme tu as encore des égratignures après ta chute d'hier, commençons par là. Prends ce sac de soins. Je vais te montrer comment le remplir. Tu vois cette plante-là? C'est une plumetille. Cueille-en les baies et mets-les dans ton sac. Bien. Maintenant, mange-les. C'est vrai qu'elles sont amères. Mais elles peuvent te sauver la vie. Assure-toi d'avoir toujours des baies, des fleurs et des plantes médicinales dans ton sac. Où est-ce qu'on est? Cette vallée n'est qu'une partie de l'étreinte de la Toute-Mer. L'étreinte? La tribu des Nora veille sur ces terres et empêche les machines les plus dangereuses d'y entrer, normalement. Plus bas, en suivant la rivière, se trouve un troupeau de machines. Je vais t'apprendre à chasser. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Toutes les machines sont dangereuses, Aloy. Nous devons respecter leur pouvoir. Mais je serai à tes côtés. Aloy, voilà une machine. Accroupis-toi et suis-moi dans les hautes herbes. Ne te montre pas. Bébé. Non, Aloy. Ces machines sont des veilleurs. Tu dois faire en sorte qu'ils ne te voient pas si tu veux survivre dans les terres sauvages. Je vais te montrer. Écoute bien et fais comme moi. Ne bouge pas. Attends qu'elles passent. Reste accroupi et suis-moi de l'autre côté du sentier, dans les hautes herbes. C'est le dernier. On continue. Tu as réussi. Un vrai fantôme. Reste près de moi. On approche du troupeau. C'est qui?
Peu importe. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Regarde, il nous sourit. Deb! Retourne à ta place! Deb! Où tu es? Ignore-le. On est des parias, et il est de la tribu. Peut-être qu'il n'aime pas la tribu. Il serait bien bête. Bon, allons trouver ce troupeau. Suis-moi. Là, tu les vois? Ce sont des galopeurs. Pourquoi tu les fais fuir? Ah! Pour te montrer que certaines machines sont heureuses et décrantes si elles te repèrent. Il faut s'approcher doucement. Ne t'inquiète pas, on les rattrapera plus bas dans la vallée. Tu verras. Maintenant, je veux que tu trouves des pierres qui tiennent dans la paume de ta main. Pourquoi? Fais ce que je te dis, Aloy, et va chercher des pierres. Je vais t'apprendre à t'en servir. Ça suffira. Suis-moi. Aloy, par ici. Voilà le troupeau. Ok, on va lancer nos pierres. Mais une pierre, ça va rien leur faire, si? Non, mais ça peut les distraire. Ou même les piéger. Comme ce veilleur. S'il reste là, il préviendra le troupeau et ils prendront la fuite avant qu'on approche. Les prévenir? Mais comment? Les machines communiquent entre elles, Aloy. On doit les en empêcher. Reste sur cette saillie. À mon signal, lance des pierres et attire le veilleur sur moi. Attends mon signal. Aloy, lance une pierre vers moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Lance une pierre pour attirer le veilleur sur moi. Fouille le cadavre, que je t'apprenne à faire des flèches. Parfait. Tu as rassemblé assez de branches de canne de rivage. Les branches formeront la tige des flèches, et les éclats de métal, la pointe. Bien. Tu ne te trouveras jamais à court de flèches si tu sais en fabriquer. Allons essayer ces flèches. Suis-moi.
reste accroupi dans l'herbe, et pas un bruit. Il est temps d'abattre ta première proie, Aloy. Ah, un galopeur. Une des machines les plus faibles. Mais même une machine faible peut tuer un chasseur. S'il ne fait pas attention, tu dois étudier ta proie. Son pelage est épais, mais elle est vulnérable par endroits. Comme son œil. Tu en vois d'autres. La bonbonne sur son dos, c'est un point faible? C'est ça. Comment tu as su? Cet appareil, il me l'a montré. Ce jouet? Ça m'étonnerait. Bon, allez, sois sérieuse. Et abat ce galopeur. Vise son œil ou la bonbonne sur son dos. Et tiens-toi prête à dégager s'il se met à charger. Tu t'es bien débrouillé. Mais tu as encore beaucoup à apprendre. Rentrons à la maison, on reprendra demain. C'était quoi? Le garçon. Celui qui courait sur le sentier. Suis-moi, Aloy, vite! Et à le charger en troupeau. Et si jamais je tire, ça pourrait les faire paniquer, et elles finiraient par le piétiner. Oh. Mais j'arrive à voir le chemin qu'elles vont prendre. Arrête de dire n'importe quoi. C'est pas le cas, je sais que je peux me faufiler. Je te l'interdis. Déplacer lentement et en silence pour ne pas me faire repérer. Faut pas qu'elle me repère. Je dois être prudente. Faut que je vois leur trajectoire. J'y suis presque.
le voilà. Hé, hey, allez. Hein? Hein? Mais comment? Chut. Suis-moi, te lève pas. Comment tu fais pour les éviter? Waouh, mais comment tu fais ça? Mais comment c'est possible? Attendez, que la toute mère vous bénisse. Tous les deux. Elle m'a sauvé. Je veux seulement... Stop! Ne dis plus rien. Ouf. Ce sont tous les deux des parias. Et celle-ci, elle n'a même pas de mère. Demi-tour. Au cœur de la mer. Et toi? Ce garçon n'aurait jamais dû nous parler. Il a transgressé la loi. On rentre à la maison. Suis-moi. Je connais le chemin. Stop, ne dis plus rien. 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 T'as rien à faire ici, la sans-mère. Attends que je regarde. Bon, je m'en occupe. Bouge pas. Pourquoi? Chut. Mais pourquoi est-ce que je suis une paria? Aloy, c'est vraiment pas le moment. Je veux savoir qui était ma mère. Aloy, on en a déjà parlé. Je n'ai pas cette information. Tu venais tout juste de naître quand les matriarches t'ont confié à moi. Donc les matriarches, elles savent? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Elles le savent alors? Aloy, toi et moi, on est des parias. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles me le disent? Les matriarches, je ne sais pas, mais j'ai peut-être une idée. Bah allez, dis-moi. Ça pourrait te coûter comment la vie. Il faudra t'entraîner pendant des années. Ça m'est bien égal. Comment est-ce que je dois faire? Explique-moi. Le rite de passage, l'éclosion que la tribu pratique chaque année. Ceux qui surmontent l'épreuve deviennent des braves. Quant à celui qui l'emporte, les matriarches lui accordent une obole. Une obole? C'est ça. Quelle que soit la demande formulée. Alors je vais le faire. Je donnerai tout ce que j'ai. Et je gagnerai l'éclosion. Évidemment. Il va falloir qu'on s'y mette au plus vite. L'entraînement sera éprouvant. Et il faudra y consacrer des années. On s'y met alors? Allez, dépêche-toi!